Malheur aux habitants de la Terre. 16 mars 2020. Parole de Dieu le Père, délivrée à sa messagère et prophète Louise Vogelsharp, traduite et lue par Justine. Dis à mon peuple que c'est un grand malheur. Je leur avais dit que ça allait arriver. Les élites et ceux qui contrôlent ce système monétaire imposture ont supporté artificiellement l'économie, créant ainsi un scénario désastreux pour le peuple, avec une dette qui explose tous les records. J'ai permis à ce reset de se produire en 2007 et en 2008. Mais l'homme est intervenu pour renflouer les banques. De multiples fois, j'ai parlé de cette catastrophe économique et du besoin de s'y préparer. C'est moi qui ai prophétisé le crash du siècle. Et cela a effectivement eu lieu. Mais Oncle Sam s'en est mêlé une fois de plus, introduisant encore davantage de monnaie factice pour stopper l'inévitable. Les sceaux de mon livre Apocalypse ne seront pas stoppés. L'homme a tenté d'être son propre Dieu, et lorsque nous avons brouillé les langues pour contraindre les hommes à se séparer, nous l'avons fait pour son bien. L'homme s'est élevé à la capacité de détruire les gens tout en laissant les édifices habitables intacts. L'homme a créé des bêtes humaines, une abomination à mes yeux. L'homme a même décidé de faire ingérence avec ma création distincte de l'homme et de la femme. Et vous vous êtes engagé très loin au-delà de vos prérogatives. Cette plaie était conçue pour être un effondrement économique à même de secouer l'Amérique et la contraindre à se mettre à genoux. Vous avez utilisé vos aptitudes d'une telle façon que vous avez créé un être humain monstrueux, lequel a manipulé un virus pour lui donner la capacité d'éliminer les personnes âgées et les personnes fragiles. Pour qui vous prenez-vous, assassin de ma création, assassin de mes bébés? Pour qui vous prenez-vous? Maintenant, vous faites l'expérience de ma colère. Et je vous ai dit que lorsque l'effondrement commencerait, vous seriez confronté à quelque chose de pire. Et nous y sommes. Vous avez intérêt à prendre cela au sérieux, car j'observe ce virus qui est en train d'aspirer la vie de ma création, mais vous êtes si oublieux du pourquoi. Le pourquoi est votre arrogance. Et vous n'êtes pas au contrôle de cela, mais moi, oui. La repentance est nécessaire, ainsi que la prière et le jeûne. Ne prenez pas ce rôle à la légère, car votre pays est au bord de l'effondrement. D'une manière ou d'une autre, le troisième sceau se manifeste. Et vous pouvez tenter tout ce que vous voulez pour faire cesser ma colère, mais vous échouerez. Il est l'heure de lever les yeux et voir votre Créateur, et cesser d'assassiner ma création. C'est une plaie que vous avez créée, et elle servira ma gloire, pas la vôtre. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Il est temps d'arrêter d'écouter vos propres dieux et de m'écouter moi. Car tout cela peut aller dans une direction ou l'autre. Je vous ai dit au travers de cette prophétesse que les rayons seraient vidés. Je vous ai parlé au travers de cette prophétesse, de cette plaie
et du fait qu'elle n'a pas de vrais moyens de subsister avec nos prières. Je vous ai parlé des crashs économiques et vous en avez eu plusieurs. Je vous ai dit que vous auriez besoin de nourriture dans vos maisons pour cette heure. J'ai dû conduire les choses différemment pour que cette plaie, le crash, se produise. Parce que vous, ma création, refusez de voir ce que vous devez faire et continuez dans vos voies insensées tandis que chaque seau s'ouvre et que ma colère se déverse sur la terre pour sauver autant d'âmes que je le peux. Priez, mon peuple, et suivez les règles imposées par votre gouvernement, car ils connaissent la gravité de cette plaie bien mieux que vous. C'est de loin le virus le plus contagieux qui existe actuellement. Comment osez-vous interférer avec mon pouvoir de donner la vie et mon pouvoir à ramener une âme à la maison? Vous m'offensez très sévèrement et cette plaie est là pour accomplir son rôle. Je vous aime, mon peuple. Défendez votre terrain contre cette plaie. Avec amour. Votre Père qui est dans les cieux. Cette plaie doit avoir lieu. 20 mars 2020. Parole de Dieu le Père, délivrée à sa messagère et prophète Louise Vogelsharp, traduite et lue par Justine. Louise a reçu ce message à exactement minuit 49. Et lorsque le Seigneur a terminé de lui parler, il était exactement 1h24. Mon peuple, je ne vous veux pas dans la peur. Je sais que les choses semblent très effrayantes, mais je suis au contrôle de ce virus. Il doit agir de manière à produire l'effet voulu. Car j'utilise cette peste pour stopper mon peuple dans le déploiement de la haine qui sévit. La dévastation amène toujours ce qu'il y a de meilleur dans les gens. Car on n'a alors plus de temps à gaspiller dans des mesquineries, des bêtises, lorsque les vies sont en jeu. Je vous ai dit que cela faisait partie de ma volonté de mettre fin à ces querelles insensées. Il est temps pour l'Amérique de redevenir une nation unie. Or, cette plaie la paralyse. Le péché commis est devenu si grand que la vie de tant doit être fauchée brusquement de cette façon, alors même que toute vie est précieuse à mes yeux. Pensez à tous les avortements et à tous ceux qui meurent de ce virus. Quelle est la différence? La vie d'un grand nombre est sauvée en ce moment. Car beaucoup de ceux qui auraient assassiné leur bébé se sont abstenus en raison de ce virus. Des vies peuvent être épargnées si vous vous mettez tous à prier. Est-ce que vous commencez maintenant à réaliser la gravité des temps dans lesquels vous vivez? Est-ce que vous commencez à croire que je parle effectivement au travers des miens? Et que tout ce que je vous ai dit est en train de se produire. Je vous ai particulièrement parlé de certaines choses. Et maintenant, vous pouvez voir pourquoi j'ai dit ce que j'ai dit. J'utiliserai ce virus pour ma gloire. Et pour un grand nombre de personnes âgées qui auront traversé de dures épreuves pendant ces temps de la faim,
Je vais les ramener à la maison. Le mal a créé cette peste, mais je vais venir au secours de mes bien-aimés et les rapprocher de moi. Votre pays est plongé dans une grave crise, et c'est le signe symptomatique d'un effondrement économique. J'utilise ce virus pour amener ce malheur. Car puisque les bébés meurent sans raison, alors l'humanité meurt aussi, sans autre raison que la pure méchanceté qui a été déversée sur Terre. Vous, mon peuple, devez faire front contre le mal pour chasser cet esprit de mort de l'Amérique et du monde entier. Et vous devez y inclure l'esprit de mort dirigé contre les bébés à naître également. Je suis le donneur de vie, pas de mort. Mais j'interviens avec mes anges pour recueillir chaque âme et la ramener à moi, l'âme de ceux qui m'aiment et qui m'appartiennent. Réjouissez-vous, car je touche des vies au travers de cette tragédie. Mais repoussez-la, car ma volonté est que règne la paix et l'harmonie, l'amour et la sécurité. Je détruirai le mal, et vous, mes amours, devez vous dresser contre lui avec moi. Et ne le craignez pas, mais chassez-le au nom de Yahushua. Il était temps de mettre une halte à la haine et d'empêcher le malin de manipuler l'humanité pour la dresser contre l'homme que j'ai placé à la présidence des États-Unis afin de faire de l'Amérique un lieu sûr. Cela va en obliger un grand nombre à rapatrier leur business dans notre pays. Je dis notre pays, car ce pays nous a été consacré et nous n'allons pas regarder oisivement Satan s'en emparer. Continuez de manifester de l'amour. Continuez vos prières sans cesse et repoussez le mal partout où il persiste. Je vous aime de tout mon être. Priez également pour que l'Église endormie se réveille et voie la vérité. Des temps très graves sont là et nous devons propager le message de Yahushua à tous. Ne soyez pas dans la crainte, car Yahushua a absolument vaincu le monde. Tout est secoué. Gardez bien vos yeux sur moi, car je vous aime. Et Yahushua vous a donné son nom pour que vous l'utilisiez. Écoutez l'Esprit Saint. Il parle au travers de ceux que j'ai choisis. Et priez pour ceux qui sont sur la ligne de front dans la bataille. Vous savez donc à quoi vous attendre. Ça va être pire avant d'aller mieux. Mais cela va effectivement s'améliorer. Vous allez devoir faire preuve de patience pendant que ce malheur accomplit son objectif. Les avortements vont diminuer tandis que l'humanité abandonne des vies. Il va y avoir beaucoup de morts, mais je vais secourir mon peuple. Je vous aime. Faites-moi confiance. Je sais combien il est difficile de comprendre pourquoi, mais je dois apporter la justice dans ce monde. Avec amour, votre Père qui est dans les cieux.